Chaque humain devrait pouvoir choisir sa destinée, quel que soit son statut social ou sa nationalité. Mais le système affaiblit les pauvres et soutient les privilégiés. Il divise le peuple et nous fait perdre foi en l'humanité. Car ils font tout pour nous enchaîner, nous faire garder la tête derrière leurs écrans fumés. Et ils nous cachent la vérité pour nous faire oublier que nous sommes la solution si nous restons soudés. Une fois pour toutes, mettons fin à leur délire. Nous devons être prêts à tout, car je vous parle de votre avenir. Je vais pas venir, ils feront tout pour que ce soit pire. Faut réagir, soyons utiles à nos enfants et arrêtons de les servir. Le sacrifice sans concession, on lâchera rien pour obtenir. On donnera tout et même nos vies, on fera tout pour vous unir. Croire en notre force plutôt que de croire en leur pouvoir. Car c'est nos propres gosses que l'on jette à l'abattoir. Nous sommes abattus de les voir, ils confondent sagesse et savoir. Savons-nous qu'ils nous contrôlent, faisons-nous seulement que le croire. De ne rien faire, on cautionne et sont complices des charognards. Une passivité maladie, fléau d'un monde en désespoir. Chaque humain devrait pouvoir choisir sa destinée, quel que soit son statut social ou sa nationalité. Mais le système affaiblit les pauvres et soutient les privilégiés. Il divise le peuple et nous fait perdre foi en l'humanité. Car ils font tout pour nous enchaîner, nous faire garder la tête derrière leurs écrans fumés. Et ils nous cachent la vérité pour nous faire oublier que nous sommes la solution si nous restons soudés. J'ai l'impression que les gens ont le syndrome de Stockholm. Comment pouvez-vous encore défendre des hommes? Ils ne sont pas la solution, ils prennent les mauvaises décisions. Prouvez-moi le contraire et demain je prendrai mon droit de vote. C'est avec notre argent qu'ils veulent éponger leurs vases qui ne cessent de déborder. Mais regardez les plus sans payer, moi je peux payer mon loyer. Comment pouvez-vous encore leur faire confiance? De droite ou de gauche, ils nous mentent depuis 50 ans. Ils disent que nous sommes en démocratie, mais dès que nous restons assis, des lois sans voter, sans même que le peuple en soit averti. Et les médias sont complices, ils veulent qu'on se focalise sur les faux scandales qu'ils créent afin que personne ne réalise que chaque humain devrait pouvoir choisir sa destinée, quel que soit son statut social ou sa nationalité. Mais le système affaiblit les pauvres et soutient les privilégiés. Ils divisent le peuple et nous fait perdre foi en l'humanité. Car ils font tout pour nous enchaîner, nous faire garder la tête derrière leurs écrans fumés. Et ils nous cachent la vérité pour nous faire oublier que nous sommes la solution si nous restons soudés.